Bienvenue à tous nos fidèles spectateurs passionnés par le monde mystérieux des flammes jumelles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet captivant et souvent mal compris, la vraie peur du runé. C'est un thème qui suscite beaucoup de curiosité et d'interrogations au sein de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos discussions enrichissantes sur les flammes jumelles. La nature de la peur du runé est un phénomène complexe et profondément émotionnel. Cette peur est souvent enracinée dans des blessures intérieures non résolues, des insécurités et des schémas de comportement qui remontent à l'enfance ou à des expériences passées. Il est crucial de comprendre que cette peur n'est pas simplement une réaction superficielle, mais plutôt le reflet d'un conflit interne profond. Les signes de la peur du runé peuvent varier, mais ils incluent souvent l'évitement, le retrait émotionnel, et parfois même, la rupture de la communication. Cette peur peut se manifester par une incapacité à s'engager ou à rester dans la relation, malgré des sentiments profonds et authentiques pour l'autre flamme jumelle. Pour aider un runé, il est essentiel d'aborder la situation avec compassion et compréhension. Encourager la communication ouverte, offrir un espace sûr pour l'expression des émotions et être patient sont des approches clés. Il est également important pour le runé de travailler sur ses propres blessures et insécurités, souvent avec l'aide d'un thérapeute ou d'un guide spirituel. L'impact de la peur du runé sur le parcours des flammes jumelles est significatif. Elle peut entraîner des périodes de séparation et de douleur, mais aussi de croissance et de guérison. Cette étape est souvent vue comme une opportunité pour les deux flammes de travailler sur leur développement personnel et spirituel. Finalement, la peur du runé peut être surmontée, menant à une réunion plus forte et plus consciente. Ce processus de guérison est bénéfique pour les deux flammes, car il conduit à une compréhension plus profonde de soi, de l'autre et de la dynamique de leur relation. Nous espérons que cette exploration de la vraie peur du runé vous a été utile et éclairante. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Restez à l'écoute pour plus de contenu fascinant sur les flammes jumelles.